Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la recette que je vais partager avec vous, c'est comment faire de la sauce verte pour accompagner nos grillades, que ce soit du poulet grillé, du poisson braisé, tout ce que vous voulez. Donc, allons-y pour la préparation. Pour les ingrédients, vous aviez besoin du persil, du poireau, des basilic, du céleri, de l'ail, des feuilles d'oignon, du gingembre, des feuilles de laurier. Ensuite, vous aviez besoin du bouillon d'assaisonnement, du poivre noir moulu, du poivre blanc moulu et un peu d'huile et un mixeur. Pour commencer, il faut bien laver vos ingrédients et découper. Dans le mixeur, je vais mettre tous les ingrédients dans le mixeur, le persil, le poireau, le céleri, les feuilles d'oignon, les feuilles de laurier, l'ail, le gingembre, tous les ingrédients. J'ai juste découpé en petits morceaux pour faciliter la tâche, pour ne pas gâter mon mixeur. Je rajoute le gingembre, les feuilles de laurier. Ensuite, je rajoute l'huile. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Maintenant, je vais écraser le tout dans le mixeur. Et voilà, voici la texture de la marinade. Maintenant, on va passer à la cuisson. Dans une casserole, déposez la casserole au feu. Ensuite, rajoutez l'huile végétale. Il faut laisser l'huile chauffer un peu avant de mettre la marinade dans la casserole. Remuez un peu et laissez mijoter 10 minutes. Et voilà, après 10 minutes de cuisson, il faut remuer de temps en temps pour ne pas que ça se crame. Maintenant, je vais assaisonner avec les autres épices, le bouillon d'assaisonnement, le poivre blanc moulu, le poivre noir moulu. Mélangez le tout et refermez à feu doux jusqu'à cuisson. Il faut laisser mijoter à feu doux 30 minutes. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Vous pouvez accompagner avec tout ce que vous voulez, que ce soit du poisson, du poulet. Et voilà, après quelques minutes de cuisson, il faut continuer à remuer de temps en temps pour ne pas que ça se crame. La sauce est presque prête, mais c'est pas encore prêt. Il faut juste laisser mijoter à feu doux. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, la sauce est prête, la marinade est prête. La sauce verte ou la marinade est prête. Maintenant, je vais éteindre le feu et laisser refroidir avant de mettre dans les récipients. Et voici, j'ai pré-cuit mon poulet 30 minutes. C'est du poulet dur. J'ai pré-cuit 30 minutes avant de mariner avec la marinade que je viens de partager avec vous. Maintenant, je vais passer à la grille. Vous pouvez mariner avec du poisson, avec du poisson braisé, du poulet braisé au four ou bien à la grille si vous voulez. Vous pouvez accompagner, vous pouvez utiliser la sauce pour accompagner avec des bananes plantées pour aller à locaux ou bien à checker, tout ce que vous voulez. Et voilà, ma sauce est prête. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Il faut laisser refroidir avant de mettre dans les récipients.
Et voilà, la vidéo que je voulais partager avec vous, c'est comment faire de la sauce verte pour accompagner avec nos grillades. Merci.